Priez-vous comme ceux de votre foi. Tu nous les ramènes. L'appel de ton fils. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La mission populaire libre de oui, mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis. Et yo, bandit, nous vous saluons cordialement dans le précieux et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute de la parole de Dieu. Ce n'est que quand on est attentif à la parole de Dieu que alors la révélation de Dieu peut vous être accordée. Selon que le Seigneur Dieu l'avait dit à Daniel le prophète, dit sois attentif à la parole, alors tu comprendras la révélation. Cela, vous pouvez le trouver dans Daniel au chapitre 9, au verset 23. Sois attentif à la parole, c'est alors que tu comprendras la révélation. Tous ceux qui ne font pas attention et qui ne sont pas attentifs à la parole écrite, ils ne reçoivent pas la révélation qui vient de Dieu. Et quand on n'a pas la révélation de Dieu, il s'imagine des choses, il interprète, et c'est ainsi que nous trouvons plusieurs orientations dans le monde. Parce que les gens n'ont pas été attentifs à ce qui est écrit. Il ne s'agit pas des explications ou des interprétations des hommes, parce que dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 19 jusqu'au verset 23, l'apôtre pouvait dire par le Saint-Esprit que nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous devons prêter attention à la prophétie écrite. Vous faire attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Souvenez-vous ce qui est écrit dans le psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. Et quand est-ce que la parole sera une lumière sur ton sentier? Parce que la Bible, tout le monde l'a. Presque 4 milliards de Bibles sont lues dans le monde, dans toutes les langues. Mais nous voyons plusieurs orientations et plusieurs confessions de foi.
Mais Dieu n'est pas dans plusieurs directions de foi. Alors, quand est-ce que la parole devient une lumière sur ton sentier? À toute question biblique, nous avons une réponse biblique. Et là, nous lisons toujours dans le psaume 119, au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. La parole deviendra une lumière pour toi, à moins que cela te soit révélé. Et la révélation, nous voyons Jésus dans Luc chapitre 10, à partir du verset 21, il tressaillit de joie et il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Et je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler? Il faut que le Fils te révèle qui est le Père. Et qu'il te révèle les mystères du royaume des dieux. Et pour que le mystère du royaume des dieux te soit révélé, il faut que Dieu lui-même te fasse grâce. Et aux élus, l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 1er, au verset 9, il nous a révélé le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alors la révélation, ce n'est pas quelque chose qu'on s'invente soi-même. C'est quelque chose de réel que Dieu vous donne pour donner la certitude à ce que vous croyez. Alors revenons en 2 Pierre chapitre 1er. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dans le temps des ténèbres, il n'y a que la parole de la prophétie qui nous éclaire, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et dans ce temps ténébreux de l'Odyssée, nous avions besoin de la parole prophétique. C'est pourquoi Dieu devait envoyer un prophète selon sa promesse. Si cela n'était pas écrit dans le Nouveau Testament, et seulement dans l'Ancien Testament, et si c'est seulement écrit dans le Nouveau Testament et pas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, peut-être je ne vous l'aurais pas dit, mais c'est parce que c'est écrit et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et comme vous constaterez dans notre émission, nous prenons toujours l'Ancien et le Nouveau Testament, toujours les prophètes et les apôtres, toujours l'ombre et la réalité, c'est Dieu qui avait fait la promesse dans l'Ancien Testament que je vous enverrai Élie le prophète, et dans le Nouveau Testament
Abondamment. Jésus, le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 17. Là où il avait amené Pierre et Jacques sur la montagne. Et ainsi que Jean. Et là, il fut transfiguré. Et vous connaissez ce qui est écrit. La voix est sortie et a dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il m'a plu d'habiter. Et puis viens, écoutez-le. Qui est celui qui ne peut pas écouter celui dont la voix venant du ciel a dit écoutez-le? Et si on nous recommande de l'écouter, alors nous devons l'écouter. Et au verset 11, celui dont on a dit écoutez-le pas, il dit. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Qu'aucun de vous n'affiche l'incrédulité vis-à-vis de cette parole. Dans ce temps de ténèbres, dans ce temps prophétique, le peuple avait besoin de la parole prophétique. Et il est dit ceci. Au verset 22 de Pierre chapitre 1, sachons d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, parce que les gens s'inventent qui dans les prophéties de leur cœur, ils n'ont pas été envoyés. Comme cela est décrit dans Jérémie chapitre 23. Au verset 16. Ils disent les prophéties de leur cœur. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dit mes paroles à mon peuple. Je ne les ai point envoyés. Et ils ont couru. Et ils ont couru sans message. Alors ils ne sont d'aucune utilité au peuple de Dieu. C'est l'autorité de la parole de Dieu qui nous le dit. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Puis vient le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la part de Dieu. Ils n'ont pas parlé par eux-mêmes, par leur propre volonté, mais ils ont parlé de la part de Dieu. Et si nous pouvons prendre par exemple les prédictions de l'Ancien Testament, et ceci je le lis avec exprès, ici, par exemple, dans Daniel au chapitre 12. Daniel chapitre 12. Là, nous lisons le verset 4. Et après, nous allons lire dans Apocalypse. Ici, dans Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel. Dieu secrète ses paroles. Et celle le livre jusqu'au temps de la fin. Pas pour toujours, mais jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront.
Et la connaissance augmentera. On n'est plus dans le temps où quelqu'un vous parle et vous, vous n'avez pas le temps de vérifier. C'est le temps de pouvoir vérifier toutes choses. Pour savoir si vous êtes dans la véritable foi. Si vous croyez comme exactement le disent les Saintes Écritures. Parce que Jésus pouvait dire dans Jean 7. Si vous croyez en moi, pas comme vous l'entendez, mais comme le disent les Écritures. Comme le disent les Écritures, alors les fleuves d'eau de vie couleront de votre sein. Quiconque ne croit pas comme le disent les Écritures, et de la manière que les Écritures le disent, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de la Bible. Et dans Daniel 12, verset 7, il est écrit, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et jura par celui qui vit éternellement. Que ce sera pour un temps, des temps et la moitié des temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisé. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il était honnête, il était sincère. Là où il n'a pas compris, il a dit, je n'ai pas compris. Toi aussi, là où tu es, si tu ne comprends pas, il faut que tu sois honnête pour dire et reconnaître, je ne comprends pas. Comme ce qui est relaté dans Jean chapitre, dans Actes chapitre 8, lorsque l'eunuque éthiopien était sorti de Jérusalem, là où il était allé adorer, il lisait le prophète Esaïe, il lisait un livre prophétique. Mais il était sincère, il ne comprenait pas. Et Dieu lui envoya Philippe, qui était déjà dans le plan et le programme de Dieu, qui était déjà rempli du Saint-Esprit. Et il lui posa la question, comprends-tu ce que tu lis? Et la réponse de l'eunuque fut, comment comprendrais-je ces choses s'il n'y a personne qui me les explique? Il faut qu'il y ait un homme envoyé de Dieu avec un véritable ministère de Dieu pour vous relater ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Parce que lui-même a fait une rencontre avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, et Jésus lui a
enseigné les choses à dire. Comme Paul pouvait dire, je vous ai enseigné comme moi aussi j'avais été enseigné. Celui qui n'a pas été enseigné de Dieu, il donnera son propre enseignement. Mais si celui qui a été enseigné de Dieu, il ne donnera que l'enseignement de Dieu. C'est ainsi que vous verrez dans Actes chapitre 1er, le Seigneur ressuscité pendant 40 jours. Il parla, il enseigna ses disciples concernant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ils ont reçu l'enseignement du Seigneur et ils ne pouvaient donner que l'enseignement du Seigneur. Et dans Jean 13, verset 20, le Seigneur pouvait dire, celui qui recevra celui que j'aurai envoyé, il m'accueillera, il me recevra, et celui qui écoutera celui que j'aurai envoyé, il m'écoute. Quiconque n'écoute pas celui que Dieu a véritablement envoyé, il passera à côté de ce que Dieu fait dans son jour. Alors Enoch a dit, de qui le prophète parlait-il? Parlait-il de lui-même? Ou parlait-il de quelqu'un d'autre? C'est toujours comme ça quand les gens lisent les prophètes. Ils pensent que le prophète parle de lui-même. Or les prophètes n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Allez lire dans Actes chapitre 10. Allez lire dans Actes chapitre 13. Tous les prophètes, au pluriel, tous sans exception, ils ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Que quiconque croit en lui, il recevra par le nom de Jésus le pardon de tous ses péchés. Et vous ne pouvez pas être justifié par les œuvres de la loi, mais c'est la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à ce que Jésus a fait à la croix en offrant son corps, en versant son sang, que c'était pour tes péchés, pour tes iniquités. C'est dans cela que tu peux expérimenter la véritable justification, celle que les gens pensent que Branham a parlé de lui-même. Mais nous vous disons, il n'a pas parlé de lui. Il a parlé de Jésus-Christ. Il a parlé du retour à la Bible. Et son absolu était la Bible. Mon absolu est la Bible. Ton absolu doit être la Bible. Tout ce que Dieu voulait que nous sachions, il a tout mis dans l'Écriture. Alors aucune prophétie de l'Écriture ne peut être sujet d'interprétation particulière. Alors, il est écrit encore ceci au verset 9 de Daniel 12. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Pas scellées pour toujours, mais jusqu'au temps de la fin. Et nous faisons un pont dans le Nouveau Testament.
Lorsque Jean était sur l'île de Patmos, il est dit dans Apocalypse chapitre 22, au verset 10, et il me dit, ne cèdent point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Le temps de l'accomplissement des choses est proche. Ce n'est que je lis expressément ce passage. C'est pour vous montrer simplement quand le temps de l'accomplissement de ce que Dieu a prédit ou promis arrive, c'est alors que Dieu nous ouvre l'intelligence, comme le Seigneur l'avait fait avec les disciples dans Luc au chapitre 24 au verset 45, nous trouvons écrit, alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Puisse le Dieu du ciel vous donner la compréhension des Écritures. Non pas pour remplir vos têtes, pour une connaissance intellectuelle, mais comme Jésus l'avait dit dans Marc 4 et dans Matthieu chapitre 13, la bonne semence et qui est semée dans la bonne terre, c'est la parole qui est tombée dans un bon cœur qui croit. C'est celui qui comprend la parole et qui produit 30, 60 et 100. Mais je vous souhaite que vous produisiez 100. Que Dieu vous donne la compréhension parfaite de sa volonté et de son plan pour ce jour. Car cela est possible. Le même Luc écrit dans son premier chapitre, les quatre premiers versets, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, et qui sont devenus des ministres de la parole. Il n'était pas simplement témoin oculaire et auriculaire, mais qui était devenu des ministres de la parole. Ils avaient un ministère de la part du Seigneur. Et l'apôtre écrit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie. Il avait la connaissance exacte. Il avait la compréhension exacte. Et il pouvait le transmettre à Théophile et à nous. Parce qu'il a été voir ceux qui étaient des témoins oculaires de tous les événements qui étaient en leur temps et qui étaient des ministres de la parole. Et quand on dit ministre de la parole, n'oubliez jamais 2 Timothée chapitre 4, prêche la parole.
Mais la parole, c'est ce qui est dans la Bible. Il y a eu des événements dans notre temps concernant le plan du salut de Dieu. Ce que Dieu a fait, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu une percée de guérison et du retour à la parole, les jours de la Bible étaient de nouveau là sur la terre. Et cela a guéri beaucoup de gens. Dans le spirituel et comme dans le naturel. Parce que la parole de Dieu est un baume. Et cela est écrit aussi dans le psaume 106. Au verset 20, tu leur envoies ta parole et ta parole les guérit. La parole de Dieu peut guérir ton âme ce soir. Ne je rejette pas le baume, accepte le baume. Le Seigneur veut guérir ta maladie. Le Seigneur veut guérir ton âme. Et ainsi, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu des témoins. Mais nous avons consulté ceux qui sont devenus ministres de la parole, qui ont vu tout ce que le Seigneur a fait dans le ministère de William Branham, et qui pouvait le ramener dans les Saintes Écritures, pour que notre foi soit fondée sur Dieu et sur Dieu uniquement. Il a plu au Seigneur de donner à Ewald de Franck un ministère biblique. Et dans le ministère, il lui a donné le ministère d'enseignement. Parce que Dieu n'a pas envoyé simplement les prophètes. Mais il devait aussi nous envoyer les docteurs pour nous enseigner. Matthieu chapitre 23, au verset 34, je vous enverrai des scribes, des anges. Je vous enverrai. Ils sont envoyés par Dieu. Acceptons cet écrit comme ça dans la Bible. Celui qui reçoit celui que Dieu aurait envoyé, il reçoit Dieu. Dieu a envoyé Jésus. Tous ceux qui ont rejeté Jésus, ils ont rejeté Dieu. Jésus a envoyé les apôtres. Et il fait la promesse que je vous enverrai des scribes et des anges. Quiconque les rejette, il rejette Jésus. Il ne suffit pas de dire j'ai la Bible. J'ai Jésus-Christ, cela me suffit. Revenons au modèle du commencement. Ainsi, par la grâce de Dieu, comme le retour de Jésus est très très proche, nous voulons prendre toutes ces paroles pour notre préparation. Et tu dois te poser la question, est-ce que ma foi est selon les Saintes Écritures? Est-ce que je suis obéissant à la parole de Dieu? Est-ce que je me prépare pour le grand jour du retour de Jésus? Suis-je dans la volonté de Dieu? Ici dans Osée chapitre 1er, le verset 9, nous pouvons lire, et le Seigneur dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Car vous n'êtes pas mon peuple.
Et je ne suis pas votre Dieu. Vous n'êtes pas mon peuple. Et je ne suis pas votre Dieu. Et au chapitre 2, verset 1, la dernière partie, l'apôtre continue dit, vous n'êtes pas mon peuple. Et on leur dira, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Et Paul prend cela dans Romains. Dans Romains au chapitre 8. Parce que c'est toujours l'Ancien et le Nouveau Testament. Là, il est écrit ceci. Romains. Chapitre 9, j'allais dire, excusez-moi, sorry. Romains chapitre 9. Là, il est dit. Au verset 24, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le prophète et l'apôtre. Le prophète Osée. Et l'apôtre Paul. Ils ont dit la même chose. L'apôtre n'a dit que ce que les prophètes ont dit. C'est ainsi que vous verrez dans notre émission. Nous ne dirons que ce que les apôtres et les prophètes ont dit. Et les prophètes et les apôtres ont parlé de la part de Dieu. C'est ce qui rassure que notre foi est la véritable. Et qu'au retour de Jésus, nous ne serons pas déçus. Alors nous avons lu, premièrement, vous n'êtes pas mon peuple, et vous n'êtes pas mes enfants. C'est ainsi aussi quand nous sommes venus dans le monde, nous n'étions pas directement enfants de Dieu. Nous sommes nés enfants des hommes, et nous les enfants des hommes, nous sommes devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance au moyen de la parole de Dieu. Parce que Dieu montre comment il nous a placés de fils d'homme à fils de Dieu. Par exemple, quand nous lisons dans Romains 8, au premier verset, nous pouvons lire Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis vient le verset 3. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair l'a rendue sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils. Dans une chair semblable à celle du péché. C'est ainsi que Dieu a condamné le péché. Parce que le péché était commis dans la chair. Lorsque Dieu créa l'homme dans Genèse chapitre 1er, il était dans un corps spirituel. Et dans ce corps-là, il ne pouvait pas pécher. Et il était à l'image de Dieu. C'est dans Genèse chapitre 2. C'est alors que maintenant l'homme qui avait été créé, on lui a formé un corps de
de chair. Parce que Dieu a tiré la terre. Et il a soufflé dans ses narines. Et l'homme devint un homme vivant. Et c'est dans le corps de chair que la chute a eu lieu. Ainsi, nous trouvons écrit dans Genèse chapitre 3 maintenant, au verset 15, que la semence de la femme viendrait et la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Parce que quelque chose s'était passé avant. La chute avait eu lieu. Ils ont mangé à l'arbre qui était interdit. Et le péché n'avait pas eu lieu simplement spirituellement par incrédulité. Mais dans leur chair, quelque chose s'est passé. Oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Dans la chair, et Marie, Ève n'était plus vierge. C'est pourquoi elle a fait la déclaration: le serpent m'a séduite. Le serpent l'a séduite pour tirer l'homme de la volonté de Dieu et qu'il passe sous l'emprise du diable. C'est ainsi que tous nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Aucun de nous n'est venu dans le monde parce que son papa et sa maman ont mangé une pomme, ou ils ont bu ensemble une tasse de thé. Non, il y a eu une relation, il y a eu un mélange de sang. Et nous sommes nés dans ce monde. Et dans cette première naissance, nous sommes nés dans le péché, dans la mort. Tous nous avons besoin de la nouvelle naissance. Alors Dieu devrait nous placer maintenant dans la position de fils de Dieu. Premièrement, nous étions des fils des hommes, comme nous l'avons lu dans Osée 1. Oui, il doit y avoir maintenant la transition de fils d'homme au fils de Dieu. C'est ainsi que maintenant Dieu devait nous montrer dans la nouvelle création. Là, nous lisons dans Luc chapitre 1er, lorsque l'ange a visité Marie, il a couvert de son ombre. Comme il a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre, et la puissance de Dieu sera sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Le Rédempteur devrait venir par une vierge. Et ainsi la Vierge a conçu. Et ce qu'elle avait conçu dans Luc chapitre 1er, c'est ce qu'elle a enfanté dans Luc chapitre 2. La semence qui est en toi ne produira que ce qui est en toi. Parce que dans Genèse 1, au verset 11 et verset 12, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et la semence de Dieu en tant que parole de Dieu dans ton cœur ne doit produire que ton fils et des filles de Dieu. Ouvre ta matrice spirituelle à la parole de Dieu. Et que la semence entre en toi. Et le Seigneur va produire une nouvelle vie en toi. C'est alors que le verset 14 de Romains 8 nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu ne te conduira que dans la vérité de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne te conduira
savons que dans le programme de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduira là où Dieu fait l'action. Soyez préparés, Jésus revient bientôt. Et il est dit encore ceci dans Galates. Galates au chapitre 4. À partir du verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, né d'une vierge, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est de cette manière que nous devenons fils de Dieu, rachetés par le sang de Golgotha, tel que Jésus est né de l'Esprit et de la parole. Tu dois naître de l'Esprit et de la parole, et que le bon plaisir de Dieu habite en toi. Quand est-ce que l'Esprit de Dieu habitait en lui? Qu'est-ce que je veux dire? Le bon plaisir de Dieu. Comme cela est relaté dans Matthieu chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3, il est dit, nous nous excusons parce qu'il y a eu un temps d'interruption, mais on doit vite clôturer. Le Seigneur revient bientôt et le temps est contre nous. Mais c'est le dernier appel. On doit revenir dans le programme de Dieu. Et je disais que dans Matthieu chapitre 3, au partir du verset 15, là le ciel était ouvert. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il m'a plu habiter. Mais avant que l'esprit, le bon plaisir n'habite en lui, d'abord le fils avait obéi. Il avait accepté d'être baptisé. Comme il était obéissant, il acceptait le baptême. C'est alors que le ciel s'est ouvert. Toi aussi, repens-toi. Laisse-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le bon plaisir de Dieu habitera en toi. Il n'y a que ceux en qui le bon plaisir habite. Ce sont ceux-là qui se présenteront dans la gloire. Alors ne résiste pas. Ne reste pas en arrière. Accepte l'appel de Dieu. Parce que Dieu veut faire de toi un fils de Dieu. Et alors nous trouvons encore écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 14. Et je lis rapidement ce qui est écrit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Dans quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Ainsi de suite. Puis vient l'appel au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu de et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est pas frère Eli qui dit de sortir. C'est pas frère Franck qui dit de sortir. C'est pas frère Branham qui dit de sortir. Mais c'est le Seigneur. Il utilise ses serviteurs pour te dire sortir. C'est lui qui appelle les autres à sortir. Il n'est pas dedans, il est déjà sorti. C'est ainsi que nous avons quitté tous les systèmes des hommes. Nous avons quitté toutes les dénominations. Nous sommes maintenant dans l'église de Jésus-Christ. Il n'a qu'une seule église. Une seule foi. Un seul enseignement. Qui doit être en accord avec ce que les apôtres ont prêché. Et puisque le retour du Seigneur est imminent, je peux lire dans Apocalypse, au chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, là il est dit ceci au verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Ceux qui sortent seront appelés fils de Dieu et ceux qui sortent auront la victoire. C'est ainsi que nous faisons partie de la troupe des vainqueurs, de ceux qui ont entendu l'appel, de ceux qui ont entendu je reviens bientôt. Et nous nous préparons pour le grand jour du Seigneur, où la grande trompette sonnera et que les morts ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons transmués. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous avons lu dans Galates, nous sommes devenus héritiers. Et ici, dans Apocalypse, celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Mais quand nous pouvons lire ce qui est écrit dans Romains encore, pour terminer notre mission, ici dans Romains, au chapitre 8, là nous pouvons lire, par exemple au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia! Loué soit le nom du Seigneur! Nous avons été appelés à une grande vocation. Notre Seigneur est mort à Golgotha. Il a livré sa vie pour que nous devenions semblables à lui. Quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. C'est une haute vocation à laquelle le Seigneur vous appelle. Sortez de tout ce qui n'est pas de Dieu. Retournez à l'enseignement biblique. Soyez préparés et soyez remplis de l'Esprit Saint. Allez, après avoir quitté tous les mensonges, parce que le Seigneur a dit dans Jean 8, c'est à ceux qui avaient cru en lui que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Soyez libérés par la main du Dieu Tout-Puissant. Soyez délivrés de tout esclavage d'interprétation. Revenez à la simplicité de Christ.
Ne croyez que ce qui est écrit, c'est lorsque vous êtes enfant de Dieu que l'Esprit de Dieu peut vous conduire dans tous les mystères du royaume. Si l'on vous lirait Daniel, vous ne comprendrez pas. Vous lirez Apocalypse, vous ne comprendrez pas. Vous lirez Matthieu 28, vous ne comprendrez pas. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Qu'il vous bénisse dans vos maisons et dans vos travaux. Dans ce temps de confinement, respectez ce que les autorités nous ont dit. Et bientôt nous nous rassemblerons. Nous louerons Dieu ensemble. Et le temps biblique encore reviendra au milieu de nous. Comme cela s'était exprimé dans le ministère de William Branham. Un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu. Et nous avons reçu de ceux qui étaient des témoins oculaires. Et qui sont des ministres de la parole. Fondés sur la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Que la parole de Dieu ne revienne pas à Dieu à vide. Toi qui l'as reçu, que la parole de Dieu fasse sa volonté en toi. Soyez bénis dans la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse richement. C'est moi, votre frère Eli Mpongo, envoyé du centre missionnaire de la mission populaire libre de Kananga, qui vous a prêché ce soir. Soyez sages, que les parents veillent sur les enfants, que les femmes mariées se soumettent à leur mari, et que les maris aiment leurs femmes de tout leur cœur, et vivez harmonieusement dans la paix et dans la sobriété. Et nous serons vraiment dans la joie d'avoir de vos nouvelles.